me! Salut à toutes et à tous, c'est One Shooter. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentary. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez tous passé un agréable Halloween. Et aujourd'hui on se retrouve pour un commentary. Donc j'ai, comme vous avez pu voir, il y a l'intro de Code QG et Code CF. J'envoie cette vidéo à ces deux chaînes communautaires. Donc j'espère être upload, et si je suis upload sur leur chaîne, et pour ceux qui veulent en savoir plus, bah, il vous suffit juste de regarder mon premier commentary où je me décris de A à Z. Donc on se retrouve sur une partie déjà où tout d'abord je tiens à remercier ceux avec qui j'étais, qui m'ont bien aidé dans ce commentary. Donc c'est ma toute première double MOAB, hein. C'est vraiment quelque chose de stressant à mort, mais déjà je vais dire vite fait avec qui j'étais pour les remercier. Donc il y a Slice, mon nouvel éditeur, Amnesia, donc Kevin de ma team, Théo44 Patriot et Théo DLS et Blastic. J'espère que j'ai pas écorché ton pseudo. Et aujourd'hui on se retrouve sur ce commentaire un peu spécial. Donc déjà on était 6, ce qui va m'être super utile pour la suite du commentary. Donc déjà, comme vous avez pu le voir, c'est le nouveau mode que à la base j'aimais pas et que j'ai compris comment bien jouer dans ce mode, et puis j'ai pu aimer. Donc déjà c'est le Money in the Bank, qui la traduction veut rien dire, hein, je vous rassure, j'avais cherché. Donc je joue avec la classe qui s'appelle Money, celle à la M4-1. Donc c'est tous les mêmes atouts sur les classes, c'est espèce de terre et visée solide je crois de base, voilà. Donc il y avait la M4-1 qui est une très très bonne arme, et les scorpions Kimbo que je peux utiliser. Donc déjà, qu'est-ce que le Money in the Bank pour ceux qui n'ont peut-être pas testé ou qui l'aiment pas, et pourquoi certains l'aiment pas? Beaucoup l'aiment pas parce que déjà c'est un mode qui se joue pas en solo. Je conseille plutôt de le jouer en ami. Donc là j'étais pas forcément en team, hein, je jouais avec mes abonnés. Bref, que je jouais avec mes abonnés. Donc c'est un mode, c'est du sabotage en fait. Celui qui prend la bombe est au middle de la map. Celui qui prend la bombe se transforme en masto et peut pas débloquer ses séries. Donc je conseille d'être d'abord en spécialiste et après de pouvoir prendre la bombe si possible, comme ça vous avez déjà vos bonus de spécialiste, choses comme ça. Quand on joue en team comme là, on peut faire durer la partie, c'est des parties qui durent 10 minutes et il y a une manche prolongation comme un R&D. Donc là vous voyez que je serai souvent sur ce spot parce que c'est un spot que j'utilise même en desserto, qui est très très bien, c'est un spot connu de beaucoup de personnes. On peut le faire des deux côtés, donc sur cette map, comme elle tombe assez souvent en desserto, c'est vraiment une très très bonne map pour ça. Donc c'est un très bon spot, je vous le conseille. Donc voilà, le Money in the Bank c'est un mode où quand on prend la bombe on est masto, on doit poser une bombe et généralement les autres s'occupent de le couvrir. C'est pour ça que c'est mieux de jouer en équipe, et en solo généralement il y en a beaucoup qui aiment pas ce mode ou choses comme ça à cause de ça. Donc là vous voyez que c'était Slice qui avait la bombe, je me suis occupé de cover mon côté. C'est pas de la camp que je fais, hein. On peut tourner et cover en même temps, mais on était quand même tous assez mobiles. C'était une team en face qui était assez mobile aussi, faut l'avouer. Et donc c'est un très très bon mode pour ça. Si généralement c'est limite un mob pour faire des mobs parce qu'il n'y a pas de soutien qui peuvent nous enquiquiner entre guillemets quand on a un furtif qui nous tombe dessus, choses comme ça sur dos, mais qui pillonne la moitié de la map et qui fait un full team de bombes UEM ou choses comme ça. C'est vraiment, il n'y a pas de drone, choses comme ça. Donc c'est vraiment un mode qui est bien pour ça. Ça se joue vraiment et uniquement en skill. Donc, c'est pour ça que j'ai après aimé ce mode et que maintenant j'aime bien ce mode, mais je joue souvent en équipe, faut l'avouer. Donc déjà, comme vous avez pu le voir dans le titre, hein, le titre qui est Call of Duty, plaisir ou addiction. Vous allez voir que ça va bien avec ce thème, parce que quand je débloque la première MOAB, vous verrez que je vais faire que 2 kills. Tout le monde va rage quit, absolument tout le monde va rage quit, il en restera plus que 2, et c'est pour ça que ça m'a permis d'entamer ce sujet. D'ailleurs, je t'ai fait peut-être dédicace à Monsieur Tech, sa chaîne est dans ce box, dans la description et tout le tralala, qui ont parlé avec ça. Juste pour la suite du commentaire, ça va être plus facile pour vous. On parlait de ça justement après avoir fait ce gameplay. Et il y a une étude qui a été faite par des anglais ou américains, que j'ai lu à peu près 5-6 pages, je crois, un truc comme ça. Donc avec mon anglais déplorable, c'est Monsieur T qui m'a bien aidé à la traduire. Qui dit à peu près, pour faire un résumé assez bref, que un joueur sur 4 est addict aux jeux vidéo.
Déjà, si certains ont pu le voir hier soir sur BFM TV, il y avait Julien Tellou de Game One qui a représenté les gamers pour un reportage qui a fait du bruit quand même, un bon reportage je trouve, qui a défendu la cause des gamers en disant ce que je pense aussi, que faut pas généraliser tout. C'est pas parce qu'il y a un joueur de Call of Duty qui poignarde ses parents de 200 coups de couteau, admettons, que tous les joueurs de Call of Duty, dès qu'on va aller chercher du pain ou je me lève, je vais chercher des croissants, obligatoirement je vais mettre une balle de Deagle entre les deux yeux de ma boulangère. C'est pas du tout ce qu'il va faire. Donc là déjà vous voyez que la première mob je l'ai débloquée assez rapidement, la deuxième est encore pire. Donc c'est vraiment quelque chose, un sujet qui est tabou. Si on demande à un joueur plaisir ou addiction, ils diront plaisir, personne se dit addict, malgré qu'il y en a, c'est vrai, faut l'avouer. Et si on demande à un parent ou chose comme ça, qu'est-ce qu'il pense des jeux vidéo, tout de suite c'est le diable, va des rétro satanas, c'est que tout le monde est addict, chose comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'il peut faire. Mais d'un côté c'est des parents, ils souhaitent que le bon pour nous, et nous on joue à des jeux de guerre. Certains ont pas l'âge et certains s'emportent un petit peu trop vite. Call of c'est un plaisir avant tout. C'est comme les guerres des consoles, c'est comme ça, à la base c'est qu'un jeu, donc faut se détendre dessus. Et moi je dis que pour moi, de mon point de vue à moi, c'est un plaisir de jouer. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent addicts avec le temps, juste comme ça. Pour certains qui disent, ouais, comment ça se fait que tu peux en parler et tout, ça fait quand même très longtemps que je joue aux jeux vidéo. Au FPS, choses comme ça doit faire 6 ans. Je veux commencer sur d'autres jeux, choses comme ça. J'ai fait tout type de jeux. Hein. C'est vraiment quelque chose. J'ai joué à beaucoup, beaucoup de jeux. C'est pas pour autant que je suis addict ou autre. Si un ami me demande d'aller faire un truc avec lui, j'irai avec lui. Addict, c'est un bien grand mot. Addict, c'est vraiment quelqu'un qui. C'est pas forcément un geek, hein. Tout le monde utilise le mot geek. En ce moment, on dirait que c'est un phénomène de mode. C'est comme le mot swag, au bout d'un moment, ça va s'estomper, puis voilà. Être un geek, c'est juste. Ça veut dire passionné, ou connaisseur. On peut être un geek dans les films, hein. Je regarde beaucoup, beaucoup de films, je suis quelqu'un de cinéphile. Et je suis un geek des films, et oui, et alors, mon père aussi. Et c'est pas une insulte, hein, d'être un geek ou chose comme ça, c'est juste un mot que beaucoup de gens savent pas utiliser. J'ai un peu honte pour ceux qui savent pas l'utiliser d'un côté, parce que pas savoir la définition d'un mot et l'utiliser, c'est stupide pour eux, mais bon, si on devait refaire le monde, on en aurait des choses à dire. Et sur BFM TV, il y avait justement Julien Tellou, qui était Game One, qui défendait en disant que les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est un art, c'est passé comme un art, moi aussi je pense ça, quand vous regardez les jeux qui vont sortir sur les next-gen, choses comme ça, vous voyez que c'est des jeux qui frisent vraiment la perfection. Au niveau graphisme, c'est vraiment quelque chose de super joli, choses comme ça. J'ai regardé certaines cinématiques de Hitman, choses comme ça, parce que j'attends Hitman, c'est vraiment très très belle cinématique, mais que ça soit sur d'autres jeux. Skyrim aussi, c'est un très beau jeu, choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sur nouvelle génération, choses comme ça. Et plus le temps va passer, plus un jour on sera peut-être en hologramme ou en réalité augmentée. Et cette étude disait que, bon, comme je vous l'ai dit, un joueur sur quatre était addict. Pour moi, c'est une étude qui est fausse. Honnêtement, ils ont dû faire 6-7 pages, un truc comme ça, qui est vraiment, vraiment une étude. On peut pas se baser sur ça. On est des millions à jouer aux jeux vidéo. Généralement, les gens, surtout les adultes qui jouent pas aux jeux vidéo, choses comme ça, se disent que sous prétexte qu'il y en ait un qui a tué ses parents ou des gens, choses comme ça, qui jouent à tel ou tel jeu vidéo, ça, il est devenu violent. Si le mec jouait à Teletubbies sur PS1, admettons, je sais même pas s'il est sorti, et qu'il a poignardé ses coups de couteau, on va pas dire que c'est de la faute de Teletubbies. C'est assez facile, hein, de dire c'est la faute de tel ou tel truc. C'est pareil dans les films d'horreur, hein. Il y a des gens qui regardent des films d'horreur. J'ai un ami à moi là, que je salue, qui a été voir Paranormal Activity. Je pense pas que si un jour je l'invitais chez moi, il me poignarderait coup de couteau ou me ferait brûler dans mon four à petit feu, choses comme ça. C'est vraiment quelque chose, il y a des addicts, faut l'avouer, hein, il y a des gens qui sont addicts, hein, choses comme ça, que ce soit sur n'importe quel jeu. Bon déjà, quand vous voyez qu'il y a des gens qui sont pas addicts, comment on appelle ça, qui rage sur le PSN, choses comme ça, il y a même une histoire, un Américain qui a parcouru 200 km pour aller frapper un enfant qu'il avait tué dans Call of. Ça, c'est être addict, ça c'est des gens qui doivent se faire soigner, qui on l'espère se feront soigner. Être addict, c'est vraiment. Si vous voyez quelqu'un qui sort plus de chez lui, choses comme ça, là oui, ça commence à devenir addict. Hein. Si le mec il joue aux jeux vidéo 20h, 20h sur 24, là c'est qu'il y a des problèmes quand même. Mais être addict, c'est quelque chose qu'on peut pas déceler directement, choses comme ça. Et c'est quelque chose qui se voit pas au premier coup d'œil. Après, quelqu'un qui joue beaucoup n'est pas forcément un addict aussi, ou sinon.
90% des youtubeurs seraient des addicts, ce qui m'étonnerait. Et là, vous dites que j'ai toujours pas débloqué ma mob en parlant de ça, alors que c'est bientôt la fin de la partie. Et justement, cette mob a été bien dure parce que grâce à pouvoir jouer en équipe, j'ai pu aller en prolongation. Donc merci à ceux qui j'étais. La vidéo va bientôt toucher à sa fin, donc je vais faire vite. Je vais essayer de mettre le lien du reportage sur BFM TV dans la description. Je l'ai demandé à Game One, j'espère qu'ils vont me répondre. Et c'est vraiment un sujet qui tient à cœur, c'est un débat qui me tient à cœur, donc n'hésitez pas à débattre vous aussi dans les commentaires. C'est vraiment quelque chose que je trouve bien de faire, surtout la part des choses. Je suis quelqu'un qui aime bien faire la part des choses. Là, on voit d'ailleurs Slice qui a pris un méchant flashball, hein. Ça arrive. C'est vraiment quelque chose qui est bien de faire la part des choses entre addict ou plaisir. Pour moi, Call of, ça reste un plaisir. C'est vrai que j'ai pu rager dessus, que des gens ragent dessus comme ça, c'est pas pour autant que c'est du plaisir. Si on joue à Call of, c'est qu'on aime bien aussi gueuler comme ça, se défouler, hein, ça m'étonnerait que les gens se défoulent. Donc là, vous voyez, deuxième mob débloqué assez rapidement, 3 minutes 60, donc comme ça. Je sais plus du tout, j'avais calculé. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'espère vraiment être upload sur Code QG ou Code CF. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne si vous voyez cette vidéo sur Code QG ou Code CF. Je vous dis vraiment merci tout le monde, merci d'avoir regardé ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été addict ou pas, chose comme ça. Pas pour juger, vraiment pour savoir, pour montrer que tout le monde peut le devenir et tout le monde peut ne pas le devenir aussi. Ou s'en débarrasser. Je vous dis vraiment ciao tout le monde, portez-vous bien, ragez pas trop, et peace. Ce qui te fait un magnifique score.